Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Soccer Life. Et c'était la merde, les gars. C'était la merde parce que West Ham est relégué. West Ham est relégué, du coup, nous allons devoir trouver un autre club. C'est la merde. Hein. C'est la merde. Mais par contre, on arrive avant que ce soit la merde. On a un épisode plutôt sympa à faire puisque c'est le début de la Coupe du Monde et on va la jouer avec l'équipe de France les gars. On va faire en sorte que ça se passe bien, on va jouer les matchs, on va voir comment ça se passe. Ça se trouve ils vont être éliminés en phase de poule direct, on va rien capter, mais on va voir un petit peu comment on joue l'équipe de France. Ah, le Brésil perd déjà contre la Yougoslavie. On avait dit que le Brésil ça... Allô le Brésil, s'il vous plaît, le Brésil. Oh, je sens la Coupe du Monde catastrophique. Ok, on va quand même égaliser avec le but de Wagner. Bien joué, mettez-en un deuxième s'il vous plaît. Bon, le Brésil qui commence pas sa Coupe du Monde comme des fous. Ça commence pas comme des fous. On a Park aussi qui va jouer avec la Corée, tout simplement. Avec la Corée. Est-ce qu'eux aussi vont mal commencer leur Coupe du Monde? C'est possiblement possible. J'espère en tout cas que l'équipe de France va aller loin les gars. Là, on va être français, on va être cocorico. Allez les bleus, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et pourquoi pas Zizou à 18 ans, un peu comme Kylian Mbappé, qui soulèverait la Coupe du Monde. Ce serait incroyable. Sachant qu'ils ne l'ont pas gagné, ça risque d'être dur. Hein. Premier match contre l'Espagne, ça risque d'être dur. Et là c'est parti les gars, là on va jouer. Là c'est parti, c'est le match le plus compliqué dès le début hein. Après on a deux adversaires beaucoup plus faciles. Donc si on arrive à bien s'en sortir contre l'Espagne, ça nous mettra plutôt bien. Mais l'Espagne, ça fait aussi partie des favoris au titre. Ça fait partie des favoris au titre. Enfin, ils font partie des favoris au titre. Vialco. C'est quoi ces blazes? Ça fait pas espagnol. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils m'ont déjà marqué? Oui, Richard. Oh, Teddy Richard dans les cages, les gars, qui nous fait une parade exceptionnelle. Par contre, on va se faire graille, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire. On va pas avoir une occasion. On va se faire graille de toutes parts. Baraja. Ouais, Vialco. Mais pourquoi on se fait violer comme ça là? Oh, il est gentil. Il est gentil, Soui. Ouais, on voit Zizou, c'est bien, il est beau, il est grand, il est magnifique. Ok, Fichot. Allez, là les bleus. Allez les bleus. On ne choque pas, nous, première occasion, on la met direct. Tidala. Berson. Berson qui cherche Roche de l'autre côté. Le contrôle de Roche. Le centre de Roche. Oh, le CSC. Oh, le CSC, let's go. 1-0 pour l'équipe de France. Ça commence bien. Ah, ce serait bien qu'ils égalisent pas tout de suite. J'avoue que ce serait bien qu'ils égalisent pas tout de suite, mais bon. Ça risque d'être tendu. Ils peuvent égaliser, là. Ça sent pas bon. Moi, j'aime pas. Bon, dans tous les cas, on devrait arriver à la mi-temps avec au moins un match nul. Oh, Pagny, Florent Pagny, il nous fait l'amour. Florent Pagny nous fait l'amour. Baraka, c'est bien joué. Oh, let's go! Il a raté. Let's go, les gars! Ça fait plaisir. Ah, dis-moi que c'est la mi-temps et que c'est pas une occasion, là. Je crois que c'est la mi-temps. Ouais, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, les gars. On mène 1-0 pour l'instant. L'équipe de France qui réussit bien son entrée en Coupe du Monde en menant 1-0 face à l'équipe. Face à l'équipe d'Espagne. C'est plutôt pas mal. Mais bon, on s'est quand même fait bien dominer dans cette première période. Mettre un petit deuxième but, ça nous ferait pas de mal. On va pas se le cacher. Allez, pourquoi pas ici, Tidala. Hop là, bim, passement de jambe. Il passe Sergio Ramos. Ah bah, c'était de la merde. Ok, on y a cru pour rien. Ouais, on peut passer en défensif, les gars. Aïe. Alantio. On est passé en défensif. Hein. On va peut-être plus avoir trop d'occasions. Ah non, c'est pas bon ça. Gardien, faut sortir. Ah. Oh là 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 là, Fichot. Non, c'est qui? C'est Ekker. Oh là 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 là. Lui, c'est un crack. Hein. On est super chaud. Allez, Roche. Allez, les gars. Si on marque ici, c'est gagné. 100% si on marque ici, c'est gagné. On n'a pas vu Zizou toucher un ballon. Ça, c'est un petit peu dommage. On a au moins voulu le voir toucher le ballon. Makelele. Oh, Makelele. Oh, Claude Makelele. Pour Youri Djorkaeff. Ça arrive jusqu'à Roche. Roche. Avec Zizou. Qui laisse passer? Oh, c'était ingénieux. C'était ingénieux de la part de Zizou. Ah, je pense que c'est bon. Hein. C'est même sûr que c'est bon. Hein. Soit c'est la fin du match. Ce qui va être le cas. C'est la fin du match.
Les gars, c'est une victoire de l'équipe de France face à l'Espagne. Et c'est parfait, c'était l'adversaire le plus difficile, le plus compliqué à aller battre. Et on les a battus 1-0 sur un CSC. Mais on prend quand même avec Zizou qui sera interviewé. Accorder l'interview. Allez, il va faire l'interview. Équipe nation, mental. Il est prêt. Zizou, il est prêt. Zizou, il est prêt. Ça augmente un petit peu la confiance du coach. On prend, même si du coup, là, l'équipe de France, il n'y a pas eu de buteur. Hein. C'est un petit CSC. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va passer à la semaine suivante. Parce que là, donc Zizou, c'est fini les entraînements pour Zizou, les gars. Je pense qu'on va se faire la Coupe du Monde. On va se faire la Coupe du Monde gentiment. Et derrière, derrière qu'est-ce qu'on fera? Bah, derrière, Martinez, on va l'introduire dans une équipe pro. Tiens, attends, d'ailleurs, putain, les gars, mais je suis teubé. Il va falloir que je regarde s'il y a des offres aussi. Hein. J'ai pas regardé s'il y avait des offres. Hein. Pour Martinez, faudra qu'on regarde ça. Le Brésil, je sens que là par contre, il faut gagner le Brésil. Hein. Pour arrêter de choquer, j'aimerais bien que le Brésil perde 1-0. Ça sent pas bon pour le Brésil là. Hein. Ça sent clairement. Bah oui, ils ont perdu. Oh là là, le Brésil qui va être sorti en phase de poule dans une poule qui était vraiment, mais plus qu'à la hauteur, hein, plus qu'abordable. Alors que la Corée va jouer contre le Paraguay, ils ont perdu leur premier match. Bon, je pense que la Corée et le Brésil, bah, c'est pas pour rien qu'on était supporters français, les gars. Hein. C'est pas pour rien. Hein. À moins que la Corée s'y gagne ici. 1-0 pour la Corée, on sait jamais. Bon, c'est que le début. 2-0, ok. Alors peut-être. Peut-être. Pourquoi pas aller voir la Corée s'y gagne celui-là et le match d'après. Ça peut le faire. Attention, 2-1. Le but de Campos. Avec que ça tienne là. Ça va tenir, victoire 2-1. Ok. Donc il y a possibilité pour la Corée encore s'ils gagnent leur dernier match. Ce sera possible. Mais faudrait gagner, quoi. Et la France va jouer contre le Maroc. France-Maroc, très bien, très bien, très bien. Bah allons-y. Allons-y les gars. Zizou toujours un petit peu fatigué bien sûr. Hein. On sait que il a une endurance bien merdique, mais ça va le faire. Ça va le faire quand même pour Zizou. Et allez, la France, serait bien qu'on les mange. Zizou, voilà. Là on l'a vu avec le ballon d'Urkaev, boum. Pour Vieira. Vieira, boum. Avec personne. Hein. C'était de la merde. C'était déjà la 22e en plus. Hein. Oh non les gars. Tu vois, ça va m'énerver. Hein. Si on choque contre les équipes qu'on est censé battre, ça va m'énerver. Ok. Okay, là, le gardien, pas de problème. Richard qui a pu sortir. Allez. Allez, Vieira, t'es censé être bon là. On est censé être une équipe monstrueuse. Hein. Roche. Boum. Qui décale et qui écarte avec Tidala. Oyori Djorkaeff. Bah, derrière avec Berson. Allez, Berson. Ouais, le petit dribble, centre. C'est pas mal pour Zizou. Zizou qui marque. Oh Zizou! Oh Zizou qui met son premier but en Coupe du Monde, les gars! Zinedine Zidane pour le 1-0 sur un centre complètement loupé. Il n'a pas fait exprès, mais ça fait 1-0 et c'est merveilleux. C'est merveilleux, on mène 1-0. Allez, si on peut mettre un deuxième juste avant la mi-temps, là, pour se mettre bien. Par quelle passe? Pour Claude Makélélé. Claude. Ouais. Oh bah Distin, t'es nul à chier. Hein. Qu'est-ce que c'était que cette frappe dégueulasse. Bon, à la mi-temps, ça va mener 1-0. On va mener 1-0 tranquillement à la mi-temps. Parfait, les gars. Tino, voilà, Faker, il est là. Il est chaud, vas-y, dégage-moi ça. Pas de problème. Avec deux victoires, on sera quasiment être sûr d'être qualifié. Donc ça, c'est cool. Après, gagner une Coupe du Monde, c'est dur. Hein. Ça va être dur de gagner une Coupe du Monde. Hein. J'espère qu'on a les moyens, mais je sais pas. On n'a pas l'impression d'être une équipe de France turbo forte. Hein. Je pense qu'il y a plus fort. Je pense qu'il y a plus fort. Après, sur un match, tout est possible, les gars. Hein. Tout est possible sur un match. C'est pas impossible. Allez. Alors, ce serait bien de mettre un petit deuxième but. Histoire de. Voilà, Makelele avec Roche. Vas-y, Roche. Ça écarte. Non, c'est de la merde. Hein. On a beaucoup de merde, quand même. On a beaucoup d'actions, fausses actions. On a un petit gros plan sur Zizou, là. Il est beau. Il est beau, mon petit Zizou. Allez, mettez le deuxième pour être sûr, les gars, là. On joue en défensif en plus. Ok, Makelele qui récupère ce ballon. Claude Makelele qui esquive. Mais c'est de la merde, on n'a pas d'action en fait. C'est quoi ces merdes là? On peut avoir un tir, les gars? Bah non. Bah non, en fait. On peut juste pas. Ouais, il va dégager en touche. Ça fait 3 de suite que c'est des fausses actions. Assez fou, hein. Assez fou. Bah, je crois que c'est la fin du match là, non? Ouais, hein, c'est la fin du match.
On a gagné 1-0, mais encore sans convaincre de fou, sans vraiment trop dominer. Ah, Zizou, il fait gagner la France et sûrement il qualifie la France. Sûrement il qualifie la France pour la phase finale, hein, de cette Coupe du Monde. Donc bon, on va être content. On va être content quand même, mais sans plus, hein. Sans plus, sans plus. Alors, bon les gars, ouais, le seul problème qu'on va avoir, c'est que, bah, je sais pas où est-ce qu'on va foutre. On a une grosse offre pour lui. Ouh, Martinez, qui c'est qui est. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que les offres que tu as? Examinons les offres. Le Barça! Ah ouais! Le Barça est déjà sur lui. Du coup, j'ai aucune idée de où on va amener nos joueurs, les gars. J'ai aucune idée de. Oh, c'est une belle offre. J'ai aucune idée de où est-ce qu'on va amener les joueurs. Hein. Je pense que je vais attendre vos retours. Je vais attendre vos retours. Bon, en tout cas, on a 38 semaines, donc on pourra attendre la dernière semaine si jamais on veut l'envoyer au Barça. Après, je suis pas sûr qu'il jouera au Barça, hein, c'est ça le seul problème. C'est bien d'avoir une grosse offre, mais faut être titulaire derrière. Mais ouais, c'est compliqué quand même, les gars. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il va falloir repartir de pas de zéro parce que les joueurs sont là, quoi. Faut juste les mettre tous dans le même club. Donc, je sais pas trop où les envoyer. Le projet West Ham est mort. Ça fait chier. Bon, le Brésil, il faut gagner pour avoir une micro chance de passer. Hein. J'ai pas regardé les poules. Où ça en est, mais il faut gagner pour avoir 4 points et espérer avoir une micro chance de passer. Et ils vont faire match nul. Bah, c'est finir le Brésil à la poubelle. Hein. Ouais, le Brésil, ils ont été trop nuls, les gars. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Hein. Ronaldo, il aura jamais ne serait-ce qu'effleuré la Coupe du Monde. Ah, et la Corée doit gagner contre la Croatie. C'est dur. Hein. C'est dur aussi de gagner contre la Croatie. Ça va être dur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait 1-0 au but de Lee. Allez, pourquoi pas la Corée? Pourquoi pas, il reste une mi-temps à tenir. Eh ben, ils ont gagné la Corée, ils vont se qualifier, super! Alors, j'aurais pas misé sur la Corée et plus sur le Brésil, mais bon. France-Russie, heureusement qu'on a gagné les deux premiers matchs, parce que la Russie, je pense, ça va pas être si simple. Hein. Je pense, ça va pas être si simple. Comment c'est le match? On a dit qu'on jouait tous les matchs de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde, les gars. On va jouer tous les matchs de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. On espère voir Zizou nous mettre encore des petits buts. Pour l'instant, c'est la Russie qui va avoir la première occasion de ce match. Waouh! La défense est un petit peu effrayante. Hein. Ouais, la frappe. Oui, et Richard, il est bon, les gars. Hein. Richard, il nous fait des parades depuis le début de cette Coupe du Monde. Hein. Contre l'Espagne, il a fait 2-3 parades très importantes. Par contre, on va se faire graille par la Russie, c'est ça? C'est ça, les bails? C'est qu'on se fait graille par la Russie. Ok, c'était une fausse action. Ok, allez, Djorkaeff. Allez! Allez les gars. Allez, nous on a vu qu'on était plutôt réaliste. Vraiment? Vraiment là, on va pas avoir l'occasion. C'est fou ça. Ok, bon bah c'est de la merde. Hein. C'est de la merde, c'est de la merde. Pour l'instant, c'est bien match. Je vous le dis les gars. Je sens pas cette équipe de France vraiment capable de faire des miracles. Hein. J'espère quand même qu'on va aller le plus loin possible. Pourquoi pas aller chercher une finale, j'en sais rien. On va quand même aller en phase finale, donc ça c'est cool. Allez, boum devant. Un giga pétard. Oh, Vieira, le contrôle exceptionnel. Exceptionnel, Vieira! Oh, tu vas pas marquer. Oh, quoique. Magnifique. Non, Vieira, il est exceptionnel. Non, mais c'est pas Patrick Vieira, les gars. C'est Patrico Vieirinho. Oh, il a fait du sale. Hein. 1-0, le but de Youri Djorkaeff. Magnifique. Let's go. Allez, c'est bien. On mène 1-0. Est-ce qu'on n'a pas une petite occasion là encore? On va voir. Ah non, ce ne sera pas l'habitant encore. Allez, mettez un deuxième direct là. Un petit deuxième but direct, ce serait cool. Enfin, c'est la même de nouveau. Un giga pétard devant là, Djorkaeff. Hop. Avec Makelele. Makelele. Qui décale avec Berson. Berson. Mais tu vas où, frérot? Mais ouais, non, mais lui, là, il a saoulé. Lui. Il nous a chié. Ah, c'était l'occasion de mener 2-0, les gars, là. Omostovoy. C'est un blas connu en Russie. En tout cas, on va mener 1-0 à la mi-temps. Très bien. Très bien, les gars. Bah, on est content. On est content de mener 1-0. On va pas se le cacher. Ça fait plaisir. Maintenant, il faudrait. Ce serait bien de. On a gagné 1-0 contre le Maroc. On a gagné 1-0 contre l'Espagne. Ce serait bien d'aller marquer d'autres buts, quoi. Ce serait bien de mener un petit peu plus, quoi. Ça ferait plaisir. Allez, Roche. Alain Roche.
Changement d'aile jusqu'à Berson. Djorkaeff, boum. Allez, Makelele. Allez, Claude. Ah, Claude Makelele, exceptionnel. Makelele toujours. Ah bah c'est de la merde. Ah ben c'est de la merde les gars. Ah c'est fou hein. Dès qu'on mène 1-0, j'ai l'impression que nos actions c'est toujours de la merde. Ah ils vont peut-être égaliser là. Ce serait chiant qu'ils égalisent. Ce serait très très chiant. Ok c'est à côté. C'est à côté pour l'instant. Défensivement aussi on a l'air d'être là. On n'a pas pris de but encore dans cette Coupe du Monde mais j'ai parlé trop vite là. Hein. J'ai parlé trop vite je crois. Titoff. Titoff. Non mais c'était Richard les gars il est exceptionnel. Il est exceptionnel Richard. Il nous fait des parades mais monstrueuses. Ah, par contre on n'existe pas en deuxième. Là on n'existe plus là les gars. Allez on se réveille. C'est la Russie en face. On est l'équipe de France. On les mange. On les graille. On les détruit. Ah fait chier. Bon, je pense que là on prend le but les gars. Jusqu'à présent on n'a pas pris de but mais ça va finir par rentrer. Voilà c'est sûr. Légalisation de la Russie, c'était évident. Est-ce que c'est la fin du match ou est-ce qu'on a le droit à une occasion? Je pense que c'est la fin du match. Ouais, ça va être la fin du match. Bah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On n'aura pas gagné nos 3 matchs. Ça aurait été cool de gagner les 3 matchs, mais bon, on va quand même se qualifier. Ok. Ouais, bah c'est pour ça, l'équipe de France me fait peur, les gars. On n'a pas mis plus d'un but dans un match. Ça sent pas l'équipe de France exceptionnelle. Hein. Ça sent l'équipe de France un petit peu fébrile. On va pas se le cacher. Tes qualités de jeu ont changé, bah. Quoi? Ronaldo, après une vie en équipe nationale, a retrouvé son club. À Parc aussi, ils sont pas qualifiés? Ah, le match nul, ça a pas suffi. L'Italie, apparemment, qui sont aussi. Ok, l'Italie qui a sauté, l'Irlande. Le Brésil, bah ouais, on a vu, hein. Le Maroc, ouais. Ok. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est quoi? On va être au mois de. Ça va, on a le temps. France contre l'Égypte dans le premier tour. Bon, les gars, l'Égypte, ça passe. Ah, j'espère que ça passe pour l'équipe de France. Allez, c'est parti, les gars. On enchaîne un match suivant contre l'Égypte qui joue en orange. Bizarre, quand même, orange. Orange comme ça, on dirait plus les Pays-Bas. Allez, les gars. Là, ce serait bien de faire un gros match. Tapez fort. Taper très très fort pour la faute. J'espère que c'est Zizou qui tire le coup franc. Berson, il est mort là. Berson, il est en train de nous faire sa meilleure comédie, en train de se toucher le genou. Un petit rouge là, tant qu'à faire. Oh, en plus, c'est rouge. Non, mais let's go. Non, mais si ce match on ne le gagne pas, les gars, on est les pires chokers de l'histoire de l'équipe de France. Allez, c'est bon, ça va aller, frérot. Relève-toi. Qui c'est qui tire là? C'est Djorkaeff. Enfin, j'aurais voulu que ce soit Zizou là. Un petit Zizou qui nous met un coup franc exceptionnel en pleine lucarne. J'aurais dit oui. J'aurais dit oui, les gars. Ah, c'est contré, c'est but, hein. Ouais, on le connaît. Let's go! 1-0 pour l'équipe de France. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Là, maintenant, on devrait avoir un match facile, maintenant. Vu que, bah, ça se passe. Hein. Je vais voir un truc après, là. Est-ce que Zizou, il a pas gagné d'autres trucs à lui mettre? Faudra que je regarde. Oh, Zizou, il est là. Zizou. Zizou. Il est passé, Zizou. Oh là là, Zizou. Qui met une petite passe. Oh, il m'est marre, frérot. Zizou, il avait fait le taf, là. Il avait fait le taf Zizou et tu lui gâches. Du coup, j'ai mis quoi? Tir, surveille physique, jeu de passe et coup franc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc plus intéressant à lui mettre? Essaye de créer des occasions sur les dernières passes. Je vais lui mettre ouverture. Voilà. Peut-être qu'il fera plus de passes D. Je pense que de toute façon, on doit avoir des petites combinaisons à mettre pour que le joueur soit marque plus souvent, soit fait plus de passes D. Voilà, il faudra tester. Voilà, du coup, les gars, on devrait passer le premier tour assez facilement de cette Coupe du Monde. Ah, ça passe pour Vieira. L'envelopper. Elle est pas dedans. Il y a une belle parade. Hein. Il y a une belle parade. On a quand même pensé à mettre un deuxième but, les gars. Hein. Oh, Tony Vérel. Il a chier. Oh, ils ont Ramzy. Oh, ils ont Ramzy. Ah, il manque plus qu'Eric. Et puis c'est good. Hein. Ils ont Eric et Ramzy en Égypte. Et c'est juste gagné, quoi. C'est juste gagné. Bon, 1-0 à la mi-temps. 1-0 à la mi-temps. Voyons voir un petit peu ce qu'on est capable de faire en deuxième. Allez, les gars, ne me décevez pas. Ne me décevez pas. Ils sont passés en offensif. Hein. Attention. Djorkaeff avec Tidala. Allez, un petit but là direct. Oh, Tony Vérel. Oui, monsieur. Oui, monsieur, Tony Vérel. On applaudit. Quel beau but. Quel beau but. 2-0. Là, 2-0, on devrait être plutôt tranquille. Et passer à la suite. Hein. Ce sera quoi? Ce sera déjà les quarts de finale.
Ouais, je crois que c'est ça. On est en huitième, ce sera quart de finale. C'est pas mal, hein. Allez, Tony Verrel, pourquoi pas mettre un troisième but, Zizou. Vas-y, Zizou. Dommage, dommage, mon petit Zizou. J'aurais eu envie que tu marques, hein, ton deuxième but dans cette Coupe du Monde. J'aurais eu envie, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bon, encore une fois, bon, on a mis deux buts, mais voilà, quoi. Ils sont à 10 depuis la sixième minute. Ça n'a pas été flamboyant. Mais l'essentiel est là. On est qualifié. Et on va passer donc, je crois, en quart de finale de Coupe du Monde. Et ça, c'est propre. Et ça, c'est très très propre, les gars. J'aimerais bien qu'on aille dans le dernier carré. Maintenant, là, je pense que forcément, on va affronter une grosse équipe. Là, les gars, je pense que ce sera impossible de ne pas affronter une grosse équipe. Puisque on arrive en quart de finale. Hein. Voilà, c'est l'Allemagne. C'est le deuxième tour. Donc, c'est bien les quarts de finale, le deuxième tour. Après, il y aura les demi. Donc là, les gars, voilà. Zizou, il est fatigué par contre. Hein. Il a du mal à enchaîner. Hein. Il a du mal à enchaîner, Zizou, même quand je l'entraîne pas. Là, l'Allemagne, ce sera tout autre chose. Hein. En Argentine, il n'était pas là jusqu'au début. Argentine, c'est un très bon joueur. Je crois qu'il vient de je ne sais où, mais en tout cas, on a peut-être la première occasion. Allez, Zizou. Ah, c'est bien fait, Zizou, ça avec Vieira. Je sais pas pourquoi il recule comme ça. Vas-y, Vieira, il élimine. Patrick Vieira. C'est vrai que c'est Patrick Vieira-Igno. Makelele. Là, Yuri, là, les gars. Là, les gars, rater des occasions, ça va être dur. Hein. Rater des occasions. Là, on domine dans ce début de match. Il va falloir vite marquer, les gars. Hein. On va le regretter, sinon. On va le regretter. Oh, ça passe pour Zizou. Oh non, Zizou! Non, Zizou! C'est pas fini? L'action est pas finie? Oh, Zizou, il avait l'occasion. Et là, on va le regretter. Regardez, les gars. Là, on prend but. Hein. Là, on prend but. Hein. On va le regretter. On a eu des occasions. On les a pas mises. Ça va nous pendre au nez. Thomas Müller, qui est tout seul. Oh, il tire à côté. Oh, let's go, il tire à côté. C'est notre chance. C'est notre chance. Et ça va être la mi-temps sur ce score de 0-0. Hein. Je pense que là, c'est la mi-temps. Ouais. Mi-temps 0-0. Alors on peut avoir un petit peu le démon parce qu'on a eu des occasions, on les a pas mises au fond. Et ça fait chier. Si on est éliminé en quart, c'est un peu. Ah, c'est dommage parce qu'on a fait une bonne première mi-temps là. On a fait une bonne première mi-temps. Il y a la deuxième. Faudra avoir un petit QTE pour Zizou aussi là. Vous voulez pas lui donner un petit QTE au Zizou? Ah, ça va être pour l'Allemagne. Hein. Ça va être pour l'Allemagne. En plus, c'est déjà la 24e de la deuxième période. Donc, comment vous dire que s'il marque, ça nous laisse très peu de temps pour égaliser. Il faut croiser les doigts. Il faut croiser les doigts. Let's go. Oh, Teddy Richert, il est exceptionnel. Richert, il nous fait un match, enfin une Coupe du Monde de zinzin. Mais je crois que ça ne suffira pas. Hein. Ah, on subit trop là. On subit trop. Et ils vont finir par marquer. Ok, ils sont encore à côté. Oh, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Putain, mais il n'y a que pour eux! Que fait l'équipe de France en deuxième période? Ah là 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 là, je suis dégoûté, ça va déjà être la fin. Ça va déjà être la fin. Ah, est-ce qu'on va forcément finir par en prendre un? Ils ont eu 10 000 occasions. On a de la chance, on a une chance fou, c'est des chokers. On va peut-être aller en prolongation. À moins qu'on ait une occasion là. Imaginez, on marque ici. Est-ce que c'est une occasion? C'est une occasion. Allez les gars. Allez Vieira. Oui, Vieira. C'est pas mal. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est de la merde? Ah, moi je suis là, j'y crois et tout, et c'est même pas une occasion. Ah là 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 là. Bon, bah, prolongation. On a eu quand même de la turbo chatte, hein, parce qu'il y a eu 10 milliards d'occasions pour l'Allemagne en deuxième. Et ils ont choqué tout le temps. Ils ont fait vraiment que de la merde, l'Allemagne. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de chance là-dessus. Maintenant, c'est les prolongations. Donc but en or, hein, comme d'habitude. Le but en or, première équipe qui marque dans les prolongations est qualifiée, sinon c'est des surbuts. Et je pense que l'Allemagne va marquer direct, là ça va être cruel, hein, mais ils vont marquer là. On n'a jamais eu autant de chattes. Il faut qu'on le gagne ce match, on n'a jamais eu autant de chattes. On n'a jamais eu autant de chattes dans ce jeu. Oh le 1-2 il est magnifique. Allez Vieira. Ah il faut marquer là. Il faut marquer. Let's go!
l'équipe de France va en demi-finale. Par contre, c'est incroyable comme on a eu de la chatte, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu de ça de ma vie. Ils ont mis des poteaux, ils ont eu plein d'occasions. J'ai jamais vu une équipe ne pas marquer avec autant d'occasions. Hein. Let's go, on va en demi. On va en demi-finale, les gars. C'est pas mal. Je voulais aller au moins dans le dernier carré. Ça restera une belle performance pour Zizou. Et on n'a jamais été aussi loin en Coupe du Monde. Hein. On n'a jamais été aussi loin en Coupe du Monde, donc ça c'est propre. Ça fait extrêmement plaisir. On peut avoir un match de plus dans cette Coupe du Monde. Ok, bah c'est nickel. C'est tout simplement nickel. Ah, je suis content. Je suis content, je suis content, je suis content. On joue contre les Pays-Bas maintenant dans cette demi-finale. Les Pays-Bas, ils sont forts. Les Pays-Bas, ils sont forts, mais je pense que c'est à peu près du même niveau que l'Allemagne. Donc il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, et on n'a pris qu'un but dans cette Coupe du Monde. On n'a pris qu'un but contre la Russie. Maintenant, faut voir. Faut voir, peut-être que les Pays-Bas, ils sont en grande, grande forme. Et on n'aura pas tout le temps autant de chance. Ça, je peux vous le dire, les gars. On a vraiment eu trop, trop, trop de chance contre l'Allemagne. Ça a choqué à l'infini. Après, peut-être qu'ils comptent l'équipe de France comme une équipe défensive. Et du coup, les équipes adverses galèrent à marquer contre nous. On va voir si les Pays-Bas, ils marquent direct ou pas. Et les Pays-Bas, ils marquent direct. Zizou, il a mis ce même but contre le Maroc. Les Pays-Bas, ils ont tout de suite marqué. Là, ça va pas être le même match, les gars. Là, je crois qu'on va se faire taper en demi-finale. J'ai un peu le démon. Pour l'instant, on est inexistant. Faudrait pas prendre le deuxième tout de suite si on veut espérer. Aïe, 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 ça fait une faute là. Ça va donner un coup franc. Commence à donner un petit peu des occasions. Raymond qui va tirer ce coup franc. Si tu pouvais ne pas le mettre, frérot, ou pas faire de passe décisive, ça m'arrangerait. Et bien, il le met. C'est le contré. Bah, 2-0 déjà, deux occasions. Promet d'être compliqué là. Faudrait marquer direct. Faudrait marquer direct, les gars. Ah, mais l'action, elle n'est pas pour nous en plus. C'était une feinte. Ah, quoique, il perd le ballon. Djorkaeff. Avec Vieira. Pour Makelele. Makelele. Mais c'était sérieux, frérot, là? Oh là 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 là, oh, Makelele, t'es une merguez absolue. Oh, t'es une merguez absolue. On va se faire détruire par les Pays-Bas, les gars. On va se faire détruire. Ça, ce serait été bien d'aller en finale. Ça aurait été bien, mais j'ai l'impression que. Ouais, 3-0. Oh là 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 là. Ils nous détruisent. À toute la chance qu'on a eue tout le long de cette Coupe du Monde, et ben là, elle a disparu. Hein. Là, elle a disparu. Fallait bien que ça s'arrête un moment. Ils vont même nous mettre un petit quatrième avant la mi-temps, là, histoire de nous enfoncer. On reviendra plus. Hein. Bon, 3-0, c'est mort. Ah ben en plus, il y a vraiment un quatrième. Il y a un quatrième sur cette frappe contrée. Bon, bah voilà. Hein. Voilà, les gars, hein, Coupe du Monde. On avait pris qu'un but depuis le début de la Coupe du Monde. On va en prendre 4 dans le même match. Et c'est pas fini, il y a une deuxième période. Ah, coup dur, hein. Cette Coupe du Monde, elle semble très très dure à aller gagner. Après Zizou, il aura d'autres tentatives, hein. Il a que 18 ans. Il aura d'autres tentatives d'aller la gagner. Mais c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Hein. Il y aura une équipe de France bien plus forte. Comme je vous l'avais dit, les gars, hein. Je la sentais pas capable de faire des miracles, cette équipe de France. Si là, par contre, ils arrivent à revenir à 4-4, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Déjà, si on pouvait mettre un but pour sauver l'honneur, ce serait sympa. Comme ceci, voilà, Argenti qui met un très beau but. Très belle tête, ça fait 4-1. Après là, on passe en offensif et tout. Ouais, non. Non, ce sera pas aussi simple. Oh, c'est bien joué ça. Petite aile de pigeon. Oh bah s'il lui donne, s'il lui fait la passe au centre, il est tout seul, ses buts. Hein. Il lui fait. Oh il est nul. Oh il est nul. Vous voulez pas marquer un petit but les gars là encore? Ouais non, bah non, c'est la fin déjà. C'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. L'équipe de France aura été médiocre. Pour pas dire nul à chier. On a peut-être une dernière occasion. Zizou, fais-toi plaisir. Oh, blesse pas Zizou là. Hein. Fais gaffe à ce que tu fais. Hein. Non, mais c'est même pas Zizou qui tire le coup franc. Du coup, c'est pas drôle. C'est pas drôle, même si là, Djorkaeff marque. Bon, ça fera un petit peu moins mal à l'ego. Si jamais on marque un deuxième but, c'est pas que deux buts d'écart. Ah, dommage. Dommage, dommage, l'équipe de France, du coup, qui n'aura pas pu gagner. C'est triste, mais c'est ainsi que ça doit se passer. Voilà, maintenant, les gars, il va falloir réfléchir. Je pense, de toute façon, qu'on s'arrêtera ici. On a fait une demi-heure, quand même. Hein. Jouer tous les matchs, c'est long. Hein. Jouer tous les matchs, c'est long. On a fait une demi-heure. On a joué quoi? On a joué 5 matchs. Ah, c'est ça. Hein. 5 matchs. On a joué les 3 de poule, le 8e, le quart. Non, 6 matchs, c'est le demi aussi qu'on a joué.
la demi qu'on a jouée, mais par contre, on s'est fait manger tout cru par les Pays-Bas. Du coup, ok. Zizou 3,5, ça n'a pas été un gros match pour lui. En même temps, pareil pour toute l'équipe de France. Hein. Maintenant, les gars, le problème, c'est que ça va arriver bien tardivement. Je sais pas où est-ce que j'envoie Martinez. Bon, après, Martinez, de toute façon, je pense que les 6 premiers mois, il prendra 6 mois à rejoindre ses potes. Dans tous les cas. Donc, Martinez, je vais l'envoyer dans un club où je suis quasi sûr qu'il soit titulaire. Même si on a des très, très, très belles offres, j'ai pas envie de l'envoyer au Barça parce que ça va être compliqué. Faut que je regarde un petit peu. Ah, oh, tiens, El Rayo. El Rayo. Du coup, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye d'aller dans un autre championnat vu que l'Angleterre, ça nous a pas réussi? On a beaucoup joué en Espagne. On a pas mal joué en Angleterre aussi parce qu'on avait été avec Messi à Birmingham et tout. Est-ce qu'on va pas, je sais pas, du côté de l'Italie? Bon, l'Italie, on a un petit peu joué aussi. On a fait 3 saisons avec la Fiorentina, avec Messi. Où est-ce qu'on a fait? On a été aussi en Ligue 1, on a été partout. Après, en vrai, il n'y a que l'Allemagne, on n'a pas vraiment fait. Hein. L'Allemagne, on n'a pas vraiment été en Allemagne, donc je sais pas. Par contre, je sais pas où est-ce que je l'envoie là. C'est quoi l'offre? Ouais, l'offre là, elle semble bien plus abordable à El Rayo. Il va sûrement être titulaire. Ou à Bastia, pourquoi pas? Bastia, ça dit quoi? Ils sont actuellement. Ils ont fait 18e là. Ouais, je sais pas où est-ce que je l'envoie. Tori, pourquoi pas en Italie, hein? Tori, ils ont fait 14e. Pourquoi pas l'envoyer à Tori et essayer d'envoyer tout le monde à Tori, les gars. Apparemment, les meilleurs joueurs. Faut voir un peu la liste des joueurs. Ouais, il y a un bon milieu là. Oh, mais il a 31 ans. Ok, je regarde un petit peu la liste des joueurs, les gars. Ça me paraît plutôt correct de regarder ça. Ouais. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir des joueurs exceptionnels. Justement, c'est le but, hein, c'est de prendre une équipe et de la rendre la plus forte possible. Et sinon, là, c'est qui Beckwin? Club de Berlin. Ah, c'est le Hertha Berlin. Ok. Le Hertha Berlin. Ils sont en BBB. Ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas le Hertha Berlin. Pourquoi pas aller en Allemagne, les gars, essayer d'aller win. Hein. Ah, il y a une belle équipe. Hein. Ah, en vrai, il y a des petits joueurs sympas, là. 29 millions et tout. Bon, c'est un effectif très vieillissant. Mais pourquoi pas? Bah, vous savez quoi, les gars? Avant de choisir un club, de toute façon, on a encore un petit peu le temps. Oh, bah, non, on n'a plus vraiment le temps, on est déjà à la semaine 2. Vous savez quoi? Décider du championnat. Pas du club, parce que le club, faudra voir. Ça peut bouger. Mais où est-ce que vous voulez voir nos joueurs? Est-ce que vous voulez qu'on aille en Allemagne pour essayer de jouer un petit peu en Allemagne? Là, on l'a pas du tout fait. Est-ce que vous voulez qu'on aille en Italie, en Espagne? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, ou peut-être même continuer en Angleterre, hein, essayer de repartir dans un autre club anglais. Et dans le prochain épisode, on va choisir un club pour tout le monde. Hein. On va choisir un club pour tout le monde. En attendant, on va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens!